tourne la roue du temps. Du temps, j'en ai plus comme avant. Avant que je t'aie, puis qu'on se perde. Avant que la vie ne soit trop chienne. Reste, reste tout près de moi. Moi, j'ai besoin de toi. Toi qui, comme un magicien, m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil, pareil, pareil. C'est toujours pareil avec la peine. Elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Par où ton cœur va bien. Par, mais surtout reviens. Tu peux poser ta main sur la mienne. On ira danser la valse des peines. Rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou. Et que crève ce diable que tu aimes. Il ne sait rien de ce que tu aimes. Pareil, pareil, c'est toujours pareil avec la peine. Elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine, je la jetterai à la mer, mon cas. On sera comme des enfants qui se souviennent. Ce sera plus pareil, pareil, pareil. Il y aura plus de peine à ton réveil. Et si c'était moi, la magicienne qui guérit les enfants qui se souviennent. Bravo. Ta peine, Lara Fabian, sur la scène de C'est à vous. Le premier extrait d'un album apparaîtra en 2024 et avant une tournée en France, en Suisse, en Belgique, en 2025. Bravo, et le 7 décembre, pour la première fois, Lara Fabian à l'Accord Hôtel Arena. Très... Oh là là, ça quelle va. Galanterie. Non, mais ça... Non, non, mais oui. Mais qu'est-ce que prendre votre commande. Bravo, c'était magnifique. Merci, Dani. Ah bon. Merci beaucoup. C'est voilà, très c'est... émouvant, un exercice comme celui-là. En direct. Et en petit comité, surtout oui. Quand tu vois devant les... toi. Oui, oui. Les gens sur leur téléphone, tu veux dire? Non, pas vraiment. Et là, pour le coup, vous étiez tous à l'écoute. C'est très beau. Non, et ce titre, Ta peine, il parle très joliment de la façon dont, avec un peu d'empathie, comme votre personnage d'avocat, Dani, on peut alléger, adoucir la peine de ce qu'on aime. Et ce qui est assez amusant et dans le titre, c'est qu'il y a des références, des clins d'œil aux succès qui ont marqué votre carrière. On va voir si Dani et Jérôme sont assez vifs pour saisir la ref. Oui, je sais, je suis très optimiste. Par exemple, quand Lara chante, tu peux poser ta main sur la mienne, on ira danser la valse des peines, rien n'est fini entre nous. À quoi fait référence Lara? À tout. Voilà. Oui, à la chanson de tout. Rien, bien sûr. Rien, bien sûr. Rien entre nous. Donc, tout est fini entre nous. Exactement. Oui. On est rien n'est fini entre nous. Tout est fini entre nous. Voilà. Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus. Deuxième référence, quand vous chantez « J'ai la force d'un fou ». Je t'aime. Le requiem pour un fou. Je t'aime, je t'aime. Non, je t'aime. Vous sortez, vous sortez. C'est, monsieur c'est commandeur. Je t'aime, c'est je voyez. T'aime. Ah, pardon. On écoute. Comme on un écoute. Roi, comme un fou, comme un... Et voilà, bravo Dani. Comme un fou, comme un soldat. Voilà. De cinéma. Tu vois, je t'aime comme ça. Oh. Écoute, c'est ça ou pas? Ah, mais cool, c'est parfait. Mais oui. Voilà. La perfection a une adresse. Mais oui. J'avais le CD. On c'est parlait vrai. De VHS tout à l'heure. Il y avait le CD de Lara. Non, oui, piraté. CD-ROM.
C'est bien de dire. Lara, qui a eu l'idée, Slimane ou vous, avec qui vous avez coécrit et co-composé cette chanson? En fait, je le regardais avec beaucoup d'admiration depuis de longues années. Un jour, j'ai trouvé son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je rêve de te connaître. Parce que je nous pressens des âmes communes et des obstacles communs. Donc, il a accepté l'invitation à dîner. On s'est assis, on a beaucoup parlé, c'était très, très, très beau. C'était, je ne m'étais pas plantée, on se ressent beaucoup. Et puis, on a décidé d'écrire cette chanson ensemble. Avec ses références à ces deux immenses tubes. Un disque qui s'est vendu en 97 à 2 millions d'exemplaires, pour ceux qui ne pirataient pas les CD à l'époque. Une victoire de la musique pour la révélation de l'année. Une tournée incroyable en France et en Belgique. Et le 11 septembre 1998, Dany y était, le Stade de France avec Johnny, devant 80 000 spectateurs pour chanter... Le Requiem pour un fou. Ah bah voilà, donc, Johnny reprendra des succès tirés de l'ensemble de sa carrière. Beaucoup d'électricité, mais aussi une partie acoustique. Je ne suis qu'un fou. Oh, tu n'es qu'un fou. Un fou d'amour. Rien qu'un fou. Un pauvre fou. Et puis, quelques cerises sur le gâteau. Des duos avec entre autres Lara Fabian, Lionel Richie, Patrick Bruel, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman. Bon, souvenir de dingue. Souvenir extraordinaire. Mais inédit pour moi. 80 000 têtes, une icône devant moi. J'étais en haut à droite, tu m'as vu ou pas? Évidemment. Voilà, c'est impossible. Non, c'était très émouvant. Tu brilles dans la foule. Non, c'est très beau. C'est vrai. Non, mais en plus, la voix avec Johnny, la voix de Johnny, c'est... Il faut avoir une voix pour chanter avec Johnny, c'est... Mais vous avez dit quoi, Johnny, là-dessus? Et vous n'avez pas dit, t'es moi en Anna? Ouais, il a dit ça au Press Junket, en fait. Il ne me l'a pas dit à moi, mais quand on lui a demandé pourquoi il m'avait invité, il avait répondu, parce que Lara, c'est moi en Anna. J'avais 27 ans, 28 ans, donc c'est immense pour moi. Et à la répète, j'étais un peu timide, et à un moment donné, il m'a attrapé, il m'a dit, alors écoute-moi bien, je vais te laisser la place, mais il va falloir que tu la prennes. J'ai dit, ok, d'accord, tu comptes sur moi. Et donc c'était une véritable invitation avec sa générosité légendaire, surtout avec les femmes. Il était particulièrement généreux, particulièrement galant. J'ai vécu un moment d'étoile, un moment immense, vraiment. Et vous êtes une femme de duo. Oui, j'adore. On a fait beaucoup dans votre carrière. Vous avez chanté avec Florent Pagny, Evita, Laura Pausini, Isabelle Boulay, Pascal Obispo, Patrick Fiori. Mais un duo a une place spéciale dans votre cœur. Toi, tu es mon autre avec... Morane, sorti en 2001, c'était sur votre cinquième album, Nu. Il y a un mois, sur France 3, Vita était l'invité de Faustine Bollard dans la boîte à questions. Et vous lui faites cadeau de venir chanter ce duo avec elle. Toi, tu es mon autre. La force de ma voix, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Ma partie à moi, pardon. Et c'est bien la boîte à secret. Non, pas la boîte à questions. Question que vous ferez bientôt, d'ailleurs. Que j'adorerais faire, ouais, absolument. C'est pas prévu. Parce que c'est très court, chanter dans la boîte à questions, c'est très petit en plus comme endroit. Pardon, Patrick. Oui, il avait boîte, c'est bien. Déjà. Non, mais tu veux pas tout. Non. Non, mais j'avais la moitié. Oui, la moitié. On peut lui remettre une crevette. Pardon, Patrick. Elles sont aussi bonnes que les crevettes sardes. Non, Lara, vous ferez la boîte à secret bientôt. Oui, j'adorerais ça. Voilà. Et vous étiez. Vous aviez la gorge nouée par l'émotion. Oui. Juste avant le. Oui, j'étais très émue parce que je lui faisais une surprise et je ne savais pas si elle allait. Elle allait être heureuse de l'idée parce que j'interromps la chanson et je lui dis est-ce que tu serais d'accord d'être mon autre? Et elle a joué le jeu incroyable. En plus, pour moi, c'était une première parce que je chante. La voix de Morane. De Morane, voilà. Bien sûr. Puisque je savais que Vita allait, connaissait la partie de la soprano, donc ma partie. Pendant quelques jours avant ça, je me suis vraiment entraînée à chanter la partie de l'alto qui n'est pas du tout ma nature. Enfin, moi, mes autoroutes neuronales, c'était le soprano, pas du tout l'alto. Donc je peux vous dire, pendant quelques minutes, la blonde, elle s'est dit ok, alors je vais devoir chanter autrement. Et finalement, j'y suis parvenue plutôt. J'aime bien l'idée de l'autoroute neuronale. Il en faudrait une. Oh, j'ai une petite département. Oh. Pardon. Une huit voix. Ha 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 ha!
Mohamed. Lara, votre deuxième vocation, c'est l'art de transmettre, oui. Transmettre aux autres. Et on a une surprise pour vous. Il y a quelques semaines, vous étiez sur le plateau, dans le château de la Starac, lors d'une masterclass. Vous avez coaché Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy. Pour le libérer de ses angoisses, vous lui avez demandé de chanter allongé. Depuis, il vous prend presque pour une chamane. C'est Lara Fabian, c'est vrai qu'elle a ce petit côté un peu maternel et du coup, c'est moi, je l'ai ressenti un peu comme ça. Je suis jeune encore. Bah, dans l'aventure, forcément, elle est intense. Il y a des hauts, il y a des bas, donc des fois, on est un peu moins bien. Et on dit ça va quand même, ça va. Et elle a su voir que non, elle était là et j'ai l'impression qu'elle m'a libéré un truc que même moi, je n'avais pas forcément conscience et c'était un moment très fort. Donc, je ne sais même pas comment elle a fait. J'aimerais bien qu'elle m'explique, mais en tout cas, ouais, c'était très, très fort et j'ai vraiment, c'est un moment que je garderai là-dedans tout le temps, quoi. Vous lui avez porté chance, son titre Ce qu'on était dépasse les 6 millions d'écoutes, il est numéro 1 des streams sur toutes les plateformes, mais transmettre ça c'est important pour vous et je crois d'ailleurs que ça pourrait se concrétiser dans plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines, plusieurs années. Il va faire toute sa carrière allongée maintenant. En tout cas, c'est ça le souci. Mais bon, il y a un public. 6 millions, c'est beaucoup. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, vous envisagez d'ouvrir votre propre école de chant? Ma propre école, oui. Enfin, de chant et une école où on va nous proposer une approche au chant qui va être un peu... Parce que la technique, c'est bien, mais à un moment donné, la vraie vertu de la technique, c'est de la maîtriser tellement qu'on finit par ne plus en avoir besoin, par l'oublier. Mais tout ce qu'il y a autour, comment est-ce qu'on appréhende ce qui se passe lorsqu'on est happé par un succès, lorsqu'on a des obstacles dans ce métier qui sont complètement inédits dans la vie d'un jeune artiste. Et un jeune artiste, généralement, n'est pas vraiment équipé pour ça. Grandir devant les caméras, c'est hyper cruel. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on peut finalement être ancré à la base, être aligné un peu plus tôt qu'avant l'expérience, un peu avant l'expérience? Et ça se transmet, ça peut s'apprendre. Alors voilà, c'est l'idée qu'on a, moi et mon équipe, de transmettre ça.